Il veut de toi. Quelle est la valeur que tu lui donnes alors? Il a dit qu'il veut t'épouser. Hein? Maintenant, c'est devenu que Dukamé gâte ton mariage. Le gars, il est là. C'est simplement un ami de la toile. Ne suis pas Tchelé. Donc, je ne comprends pas pourquoi toi, tu peux allumer le téléphone. Tu peux donner l'impression que je gâte ton mariage. Le gars, il est là. Tu dis que tu ne parles même pas e-box avec lui. Hein? Donc, un homme te fait les avances publiques. Qui veut t'épouser? Au lieu de saisir l'opportunité, tu n'es pas dedans. Tu es plutôt dans la jalousie qu'il est ami avec quelqu'un. C'est un gars que j'aime bien. Hein? On s'apprécie, on est dans les dieux, on fait nos trucs. Parce que c'est sincère. Si tu aimes le gars, va être sincère avec lui. Ne joue pas. Commence pas à me provoquer là. Moi, les histoires avec toi là ne m'intéressent plus. Tu comprends? Ne hein? Te parle directement là. Que arrête tes conneries là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à prendre mon nom? Si tu aimes Bertrand. Hein? Tu as dit que tu lui parles même pas, il borde dans la là. C'est votre macabre là-bas. Et si tu comprends ce qu'il veut dire là? Une femme, tu commences à être jaloux du fait qu'un gars, il te drague. Depuis qu'il te drague là, tu as fait quoi? Hein? Le gars, il est sérieux, il veut être avec toi. Toi, tu fais comment? Tu t'en fous de lui. Maintenant, il est dans une amitié avec quelqu'un qui le valorise, qui valorise son blog. Parce que même son blog, les gens voulaient chiffonner son blog et tout ça. Chacun, les gens voulaient le piétiner à gauche, à droite. Je suis là, on est amis. Assumez. Va l'assumer que c'est ton gars. Tu le prends, tu le contrôles. Parce que depuis qu'il dit là-bas que tu es sa femme, tu ne bouges pas. Pourquoi tu vas venir m'accuser, tu me mets mon nom dedans? Mon nom est facile dans ta bouche, hein. Et te dis la vérité, toi là, mon nom est trop facile dans ta bouche. C'est-à-dire que je suis la personne sur la toile que quand ça te prend comme ça, Dukamé, je ne suis pas ton égal. Mets ça dans ta tête. Voilà. Bertrand, c'est quelqu'un de bien. Il t'a fait des avances. Si tu ne veux pas de lui, dis-lui. Si tu veux de lui, c'est votre problème. Tu as compris? Ne commence pas. Parce que il parle avec Bertrand. Il est dans mes directs. Je suis dans mes directs. Tu pars, fais le direct. Oh, je ne veux pas ton bien. Je voulais ton bien que. Tu me racontes quoi là? Quand tu faisais tes trucs avec Loïc, j'étais là. Tu n'as pas. C'est pas toi qui as fini par insulter Loïc ici, correctement. Hein? Un homme est venu te déclarer, il a dit qu'il veut de toi. Il ne blague pas. Il a besoin d'une femme. Et il a les moyens pour te mettre bien. Qu'est-ce que tu fais en retour? Tu le simplifies. Il t'a fait des avances publiques. Qu'est-ce que tu as fait en retour? Tu as fait quoi en retour? Le gars, il est venu te draguer, il a dit qu'il veut, il veut, il te veut. Toi, tu as fait quoi? Rien. Mais maintenant, c'est mon nom que tu veux prendre pour l'aimer avec, ma chérie. Aime-le. C'est mon nom maintenant qui est dans ta bouche que Dukamé. Il t'a fait quoi? Pourquoi tu me. Mon nom est dans ta bouche. C'est comme ça que quand vous faites apprendre attention, on va dire que oh, il a insulté l'enfant de quelqu'un. Ma chérie. Bertrand n'est pas venu dire ce qu'il veut sortir avec toi. Depuis qu'il a dit ça, tu as dit que vous ne causez même pas inbox. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller donc aussi faire le pas? Hein? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire aussi le pas que le gars s'il m'a déclaré sa flamme? Tu ne l'aimes pas. Pourquoi il va être dans les amitiés avec un homme? Tu comment les problèmes? Pardon. Parce que moi, tu vas même allumer ton téléphone, tu vas même m'insulter, là, il n'y a rien à foutre. Mais laisse-moi te dire que. De me laisser tranquille. Parce que toi, ta bouche sort facilement sur les gens. Et te voilà qui recommence. Et ce que tu ne comprends pas dans le game, c'est que quand tu commences à t'attaquer à moi, là, c'est là que tes problèmes viennent. Ça, tu n'as pas appris la leçon. Que c'est quand tu viens à commencer sur moi, là. Tu es là, tu es tranquille avec les gens. Tu es tranquille avec tout le monde. Te voilà qui vient mettre la bouche sur moi. Et quand tu commences sur moi, là, tu sais que ta part va venir. Voilà. Viens pas, je ne suis pas ton. Je suis pas ton caleçon, hein. Peut-être tu n'as pas remarqué que chaque fois que tu as des problèmes sur la toile, c'est quand tu viens à commencer à me manquer de respect. Ne t'es pas cherché. C'est toi qui as pris ta caméra là, Dukamé. Dukamé est le père des enfants des gens. Il faut faire très attention. T'es pas provoqué. La personne qui t'a dragué là-bas, depuis que le gars te drague, qu'il veut de toi. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Tu tapes les mimbas, non? Mon ami, il a le bordeau. Quand une fille va aller sauter celui-là, il va aller faire voyager l'hangar. Il a le bordeau. Il est capable de faire. Moi-même, j'ai de quoi. S'il veut faire venir une fille au Cameroun, je peux faire venir. Donc, j'ai tes histoires là-bas. Tu m'enlèves dedans. Je te dis ça sincèrement. Parce qu'après, tu vas dire que oui, c'est Dukamé qui gagne mon nom. Parce que quand je fais la guerre avec toi, là, c'est là où tu as tous les problèmes du monde, là. Et j'ai plus envie de ça. J'ai plus le temps.
Donc, je te parle pour te prévenir. Voilà. Un homme vient sur Internet, il dit qu'il t'aime. Depuis que le gars a dit qu'il t'aime, tu veux que c'est lui encore qui vienne dans ton inbox. L'homme qui t'a dit qu'il t'aime là, il est capable de te donner tout. C'est que toi, tu ne peux pas lui donner. Donc, si tu es une fille qui était intéressée par le gars, tu devais aussi faire le pas. Hein? C'est un homme, il est seul, il a vraiment besoin d'une femme. Mais toi, tu es en train de taper tes mimbas, tu fais ta Starmania. Un gars avec le Bordeaux, belge. S'il vient là-bas, il t'épouse. Tu n'as pas 8 mois, tu es ici là. Mais tu n'as rien à foutre. Mais quand demain, une gars va sortir, tu vas entendre qu'on m'a fait l'enlèvement. C'était mon gars. Pourtant, tu ne respectais même pas le gars. Hein? Tu ne respectais même pas le gars. Tu veux m'appeler dedans, pourquoi? Bertrand, c'est un mec sympa. C'est un mec bien, c'est un mec qui a un style européen. J'aime son corps. C'est pourquoi je m'assume avec lui. C'est pas un villageois comme les. C'est pas quelqu'un comme les Amers Kamers. C'est quelqu'un qui travaille une bonne vie. Il est venu te déclarer sa flamme ici, là. Tu es là, tu es en train de mimba. Tu ne peux rien lui donner. C'est lui qui peut t'apporter. Donc, si tu es une fille sage, au lieu de pleurnicher que du Kamer marche avec le type, tu peux écrire au type. Mais déjà, même qu'un homme te déclare sa flamme, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours sur la toile. Tu fais n'importe quoi. Hein? Un homme, il est sur la toile. Il a dit, tu es sa femme, il te défend. Toi, tu veux le maintenir dans les faux trucs de la toile. Moi, quand je suis avec lui sur la toile, tu vois, Bertrand, il change. Et il me respecte. Et je le respecte. Quand les gens se respectent, les gens s'aiment bien, ils se respectent, c'est comme ça. Tu peux pas détruire. Même si tu es un gars. Parce que c'est toi qui devais lui donner l'amour là. Hein? Vous êtes toujours comme ça, vous les petits gars là, vous les petits gars là, vous avez la bouche facile sur les gens. Quelqu'un vous évite même. Tu allumes le direct, tu parles de moi. Ton blog, c'est toujours sur les gens. Ton blog, c'est toujours les gens. Après, tu pleures. On me veut du mal. Il me parle de moi. Tu parles de moi, pourquoi? Le gars là vient te dire ici qu'il t'aime. Tu dors la carte. C'est parce que tu n'es vraiment pas en bain. Parce que quand un gars au Bordeaux comme ça dit qu'il veut une gars, l'anga ne blague pas. L'anga ne blague pas. C'est effectivement un gars. Il peut te faire monter. Mais la manière que tu es en train de faire là, c'est que si le gars là te fait même monter, si tu vas venir le faire pleurer ici, ben oui. Tu vas venir le faire pleurer ici, là, il va pleurer. Parce que depuis qu'un gars t'a déclaré sa flamme, publiquement. Il a dit que moi je t'aime, je veux être avec toi. Tu n'es pas allé, même, tu n'es pas allé lui demander que mon frère discute avec lui. Tu veux, comme il a déclaré sa femme publiquement, c'est lui qui doit venir encore inbox. Lui, il est sérieux. Maintenant, tu es concentré sur les affaires que Ducamer. Ma chérie, je ne suis pas tiré. Non, ne commence même pas un peu tes conneries là. Je te dis ça. Commence pas tes bêtises là. Tu vas parler de moi, ça va rien t'apporter. Si tu veux y commencer à m'insulter pour avoir, je sais pas quelle visibilité même, parce que je n'ai même pas assez de visibilité maintenant. Donc tu vas prendre mon nom là, ça va te servir à rien. C'est pourquoi vous là, vos pardons là, il faut mettre ça dans le cul même. Vos histoires de pardon que vous dites, vous demandez les pardons aux gens. Parce que quand tu viens t'attaquer encore à moi là, tu comprends un peu? Quand tu viens encore m'insulter là, tu penses que compresseur va rire avec toi? C'est ça que tu ne comprends pas. Quand tu commences encore à m'attaquer, tu penses que Flo va rire avec toi? C'est ça que tu ne comprends pas. Tu demandes pardon, Flo, pardon, compresseur, et tu attaques du camé. Tu fais le direct, tu vas m'attaquer. Et c'est là où tes problèmes vont commencer avec ces gens. Parce que ces gens-là que tu vois là sont mes amis, comme tu entends là. C'est quand tu commences toujours avec moi tes conneries là. Voilà, un homme est venu, un homme. Il a tout. Il a la maison. Il a le Bordeaux. Il a tout pour te mettre bien. Si tu étais une fille qui réfléchissait depuis que le gars avait venu te déclarer son amour là, hein, c'est que tu es concentré sur lui. Ou bien parce que c'est un noir, c'est un Watt. Tu devais Mais je suis la courir. grand-mère Meuse, hein. Il a tout. Ça, c'est un Watt. Bertrand Saumon, c'est. Il a le profil d'un Watt. Il a tout, c'est qu'un Watt. Ah. Hein? Donc une gars qui sait ce qu'elle veut. Une gars qui sait ce qu'elle veut. Lorsqu'un gars comme ça, qui a tout. Il a sa maison ici, il a son travail, il a ses carreaux. Lorsqu'un gars comme ça vient te déclarer sa flamme qu'il te veut, mais tu bouges. Tu penses que ça va venir dans ta bouche? Hein?
tu bouges, tu essaies de bouger, mais toi, tu ne bouges pas. Donc, tu te joues les stars, le gars doit venir te bec. Tu vas lui donner quoi? Tu peux rien lui apporter. Hein. Je suis désolé. Tu peux rien lui donner. Tu peux pas, tu peux rien donner à ce mec. C'est lui qui peut te faire venir ici. C'est lui qui peut te donner l'argent parce qu'il en a plus que toi. Et alors, lorsqu'un tel gars vient te faire la cour, tu dors dans son inbox. Tu dors dans son inbox. Tu dis que chérie, j'ai compris, je suis là pour toi. Tu changes même, tu diminues les directs, tu commences à te concentrer sur ton gars. Mais c'est pas ce que tu fais. Maintenant, tu veux faire de la distraction que du camé. Ma chérie, qu'est-ce que tu vas foutre avec moi? Hein? Tu vas perdre le temps là, du camé, du cambido. Tu n'es pas fatigué de ça? J'entends les bassets du camé. Quand deux hommes, quand deux personnes s'apprécient et s'aiment bien, tu peux pas. Donc, cherche seulement ta place que Bertrand est ton gars. Nous sommes des amis. Le respect, la qualité de respect qui est entre Bertrand et moi, tu ne peux rien dire là-bas. Tu peux pas. Parce qu'on se respecte tellement et on s'apprécie. On est sincère, c'est rare. Toi, tu es la femme de. Tu es celle qu'il veut. Mais tu lui montres quoi en retour? Tu lui montres qu'il doit marcher derrière toi. Et c'est celui qui a le bordeaux marche derrière un gars. La personne qui a le bordeaux ne voit qu'à pas derrière un gars. Si tu me vois moi-même là, tu ne me vois pas avec les femmes, c'est parce que j'ai les kaolo. Quand il n'a pas les kaolo, il voit qu'à derrière un gars. Oui. C'est celui qui n'a pas les kaolo, qui n'a rien, qui marche derrière les femmes. Quand il a son argent. Quand j'étais au Cameroun avec toi, tu as vu comment il tourmaille un gars à gauche à droite. J'ai quoi à foutre? Hein? J'étais avec toi, tu me vois avec un gars partout. Parce que j'ai mes dos, j'ai mes kaolo. Donc vous les Mbindi RC là, vous aimez trop. Regarde ton direct du camé. Mon nom fait quoi dans ta bouche? Hein? Tu n'es pas fatigué de prononcer du camé. Ça ne peut rien, ça va te créer des problèmes. Tu ne peux pas dire compresseur, excusez ta petite soeur, et tu as le nom du camé. Compresseur et du camé, c'est one. Comprends ça dans ta tête. Flan et du camé, c'est one. Donc tu ne peux pas venir jouer avec les gars là quand tu as les problèmes avec moi. Pourquoi tu comprends? Pourquoi tu ne comprends pas? Même la fois dernière, quand tu as eu les problèmes avec les gens là, c'est quand tu t'es attaqué à moi. Ben, je t'ai dit, compresseur ne va pas rire avec toi. Même Flore, tu as demandé pardon. Moi-même, les pardons, tes pardons de bi, les sales pardons que tu as demandé là. Tu allumes encore le téléphone, tu commences encore à vouloir m'insulter. Mais il faut faire très attention, moi, il te dit. D'accord? Voilà, l'homme qui t'a déclaré l'amour est là. Tu veux qu'il vienne encore te supplier. Il a tout. C'est un mec qui a tout. Voilà. Et tu vas perdre le temps, tu vas entendre qu'une fille au Cameroun est venue signer sur lui. Après, si tu fais l'orgueil que. Tu as tout, tu ne veux pas, c'est ton problème. D'accord? Voilà. Parce que je vois l'histoire un peu se reprendre un peu partout. Oh, du camé a fait ceci, cela. Tu vois l'union de Compressor et de Flore, les amis. Comme Compressor est avec Flore, là. C'est comme ça que je suis avec Bertrand sur mon chic. Tu vois, c'est comme ça. Bertrand arrive dans mon direct, là. S'il arrive là. Il veut bloquer quelqu'un, il bloque. Il me dit bloque, il bloque. J'arrive dans son direct. Je veux bloquer quelqu'un, je bloque. Tu vois ça? Il peut m'arriver à dire que le sujet n'est pas bon. Parce que c'est comme ça qu'on a eu cette complicité. Toi qui es la femme, celle qui y a mot, crée ça. Hein? Crée cette ambiance. Le gars te déclare la femme depuis. Regarde comment tu l'as dénigré aujourd'hui. Regarde comment on dirait même, tu es un homme qui te veut, regarde comment tu le dénigrais dans ton life. Et celui-là, je ne veux pas, je ne parle pas avec lui, regarde. Et ce n'est pas ta faute, hein. Ce n'est même pas ta faute, c'est le comportement que vous avez au Cameroun, là, vous, les gars du pays, là. Parce que vous êtes fils du pays, vous êtes comme ça. Vous avez un problème de manque de respect, c'est prêt. C'est pourquoi il dit, les hommes même qui vont épouser les filles au pays, là, il faut réfléchir deux fois. Tous les hommes qui vont épouser les gars. Si c'est à Paris, une fille qui n'a pas les kaolo à Paris, elle trouve un gars comme Bertrand. La manière que tu vas entendre. Bertrand est même là comme ça, il y a les gars qui n'ont pas les kaolo. Tu vas voir, elles sont derrière lui. Le gars est belge, il donne le kaolo, casse-tête. Tu vois comment une fille, elle signe derrière le gars. Quand il voit les sales filles qui viennent à mon direct, qui m'insultent partout. Il dit,
Erika, où c'est Erika? Tu finis de m'insulter, tu viens faire quoi dans mes directs? Vous savez même comment? Quand tu es allé m'insulter, tu viens faire quoi? Donc tu viens voir si je suis mort? Tu viens contrôler si je suis die? Hein? Tu es dans les lives, tu m'insultes, tu me connais. Erika, toi Erika là. Toi là. Donc vous croyez que quand vous insultez, les gens ne voient pas? Parce que quand moi je n'aime pas quelqu'un, tu me vois pas dans son live. Hein. Voilà, si tu me vois pas dans le direct de quelqu'un, c'est que la personne et moi, ça ne donne pas. Hein? Quand tu me vois pas dans le direct de quelqu'un, vous insultez les gens, vous venez dans les lives, tu veux faire quoi dans mon direct? Tu m'insultais chez le laveur d'acier des États-Unis là, tout à l'heure. Maintenant, je te vois ici. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire. Et la lionne, il faut me laisser tranquille. Va apprendre à aimer. Va apprendre à aimer l'homme. Tu comprends? Quand un homme vient sur Internet, il te déclare sa flamme. Regarde le comportement que tu fais là. Tu dis que c'est toi qui m'as barré. Écoute ce qu'elle raconte. Ah, dama, ma chérie. C'est moi qui ai barré. Tu mon nom dans ta bouche. Mon frère, tu es jaloux de l'amitié. Sorti avec un gars, sors avec ton gars. Ça te dépasse, c'est les histoires de Ducamé. Hey, pardon. Ma petite soeur, je t'appelle ma petite soeur, ne descends pas si bas. Le gars là te veut. C'est toi qui ne sais pas comment t'y prendre. Voilà. Le gars là, il te veut. Tu ne sais pas t'y prendre. Donc arrête, sors sur moi. Parce que quand tu vas commencer encore tes histoires sur moi, c'est là où ça va aggraver ta situation de méta. Quand quelqu'un a les problèmes avec moi sur méta, il a les problèmes. Tu sais ça sert à rien. Et sur moi, là, tu n'auras aucune visibilité parce que j'ai pas. Les gens ne partagent pas mes directs, les gens ont mon mal. Donc tu me clashes, tu n'auras rien. Ça sert à rien. Ça va te créer les problèmes. C'est comme ça qu'on dit qu'il faut être stratège. Je ne suis pas la bonne personne. Tu n'auras rien quand tu vas me clasher. Là, tu vas faire la méchanceté et tu vas y couper. Parce qu'en ce moment, comme tu vois dans la lumière là, dans la lumière que tu vois, c'est moi qui fais le travail. C'est moi qui fais le travail. Pipi ne dort pas. Toi, tu insultes Pipi, ça ne lui fait rien. Tu comprends un peu? Tu insultes Pipi, là, ça ne fait rien. Mais quand je lui sers ça, tu ne sais pas comment elle a mal. Donc, tu viens dans le camp de la lumière, tu dis que tu t'es réconcilié là. Tu viens attaquer le général. Hein? Tu vas encore dans les problèmes. C'est là où on va dire non. C'est ça, tu n'as pas de stratégie. Moi, je suis une personne que tu dois éviter d'attaquer. Parce que tous tes problèmes dans toi, c'est parce que tu t'attaques à moi. Tu dois rester tranquille, tu gères ton couloir. D'accord? Voilà. Et un homme, si le gars t'intéresse, il est là. Et moi, je l'ai toujours encouragé d'être avec toi. Mais honnêtement, c'est toi qui fais pas de. Tu penses. Tu as dit que vous ne parlez même pas inbox. Un gars au Bordeaux. Un gars à la maison, il a le travail. Un gars de famille, il te drague. Il t'a dragué en public. Tu veux qu'il coule dans ton inbox parce que tu penses que c'est le blog. Hein? Tu penses que c'est le blog. Pour dire demain, tu es encore dans les trucs, tu penses que c'est le jeu. Que demain, il va dire que non, le gars t'a dragué, tout le monde sait. Qu'est-ce que tu as fait en retour? Tu joues la star. Maintenant, tu vois l'homme maintenant. Tu as commencé, c'est les mêmes choses que Nancy a commencé. Et je sais pas ce que vous me voulez sur la toile-ci. Okay. Nancy, c'était les mêmes trucs, c'est les mêmes choses. Quand elle m'a vu, elle m'a vu, avait dit dans mes lives, elle n'avait plus le sommeil. Vous êtes quitté sur l'histoire d'Edith qui était dans mes tirettes. Nancy a récupéré sa chose. Maintenant, j'ai choisi Saumon pour faire mes tirettes avec Saumon. On est ensemble. La lionne est en train de pleurer. Tout le monde est en train de pleurer. Non, mais franchement. Vous me voulez quoi? Non, mais franchement, vous me voulez quoi sur la toile? Ça m'a dépassé. Vous me voulez quoi? Donc, dès que je suis ami de quelqu'un, ça fait des problèmes, frère. Hein? Dès que je suis l'ami de quelqu'un, j'étais l'ami de Edith, on faisait les directs ici. Nancy ne dormait plus. Nancy est devenue folle, elle pissait sur elle, cette saleté-là. Elle a tout fait. Venez dire que oh, j'ai fait monter une fille pour venir insulter Edith. Maintenant, ce que vous voulez faire aussi, vous allez aussi créer quoi? Que j'ai fait quoi pour insulter le maître? Ouais, vraiment de Dieu, la méchanceté, c'est quelque chose. La méchanceté, vous ne savez pas avoir des amis, vous ne savez pas avoir les gens. Mais dès que vous voyez quelqu'un ami avec une personne, vous commencez les problèmes. Donc vraiment,
L'allemand, il te dit sincérité, parler une fois. Comme tu as la facilité d'ouvrir ta bouche et m'attaquer là, parce que ce que tu as fait aujourd'hui là, continue. Et je te le dis, tant que tu vas ouvrir ta bouche, m'attaquer sur Facebook là, tu seras toujours dans la merde. Je t'ai excusé le soir, s'il reste tranquille. Il faut revenir encore avec mon nom de là. Il faut encore allumer le téléphone. Le mari, l'homme est venu, l'homme qui te veut là, il a dit qu'il te veut. Tu n'as pas fait de pas, tu penses qu'il est en train de jouer. Le gars, il a besoin d'un gars. Et il est prêt d'être sur toi. Il est prêt. Mais toi, tu prends ça comme le jeu, tu t'en fous. Et tu viens, oh, Ducamé m'a appris le gars. Ducamé avait mon mari. Ducamé, c'est quoi? Quand tu fais ton blog là, la Lyon, tu m'as vu là-bas. Quand tu allumes ta caméra, tu m'as vu moi et mets le commentaire là-bas. Je ne suis pas là. Je respecte ton blog. Hein? Tu m'as vu, tu fais ton live, tu me vois là-bas. Après, tu vas venir dans mon direct. Bonjour, papou. Vous faites même ça comment? C'est pourquoi moi, je vous appelle, vous êtes des sorciers. Quand tu as fini de faire le cinéma, là, tu viens. Bonjour, du caméra. Parce que moi, quand il tombe mal, il ne veut même pas te saluer. Quand j'ai le mal de quelqu'un, ce n'est pas la blague. Je te jure. Il faut le temps pour qu'il m'apaise. Voilà. Je ne peux pas avoir le mal de quelqu'un qui vient rire avec lui dans son live. Tu fais ça comment? Tu as fait le direct, alors tu m'as insulté. La lionne. Tu as fait le live, tu m'as insulté. Tu vas venir demain dans mes directs, venir faire quoi? Parce que moi, je viens pendant tes lives, parce que j'ai encore le mal des sales choses que tu as fait sur moi. Quand tu fais le direct, si tu me vois là, je ne viens pas. Oui, je ne viens pas dans tes directs. C'est pas le moment. Et quand je prends le temps pour m'apaiser, tu fais le direct, tu prends le nom des compresseurs, que compresseur t'excuse, et tu attaques le général de compresseur. Je ne sais pas qui sont tes conseillers, les Tatiana Mimban. C'est les Tatiana Mimban qui te donnent les mauvais conseils comme ça. Tu dis compresseur, excuse-moi, et tu prends le nom, le général de compresseur. Tu commences à malaxer, mais tu es malade, toi. Donc, moi, je te dis que si c'est, je ne sais pas. On ne clash pas les gens pour rien. Je n'ai pas une forte visibilité en ce moment. Donc, je ne sais pas pourquoi. Tu vas t'attaquer à moi. Si tu veux saumon chic, va lui dire que tu es folle de lui. Va lui dire la vérité. Va-tu dire la vérité au gars? Ne viens pas t'attaquer à moi. Tu pars, tu dis la vérité à saumon. Saumon que tu l'aimes. Tu vois un peu, non? Voilà. Ah, j'ai mal. Tu lui dis que tu le l'aimes. Voilà. Voilà, tu pars conquérir ton amour, tu m'enlèves des dents. Tu m'enlèves des dents parce que Papa ne me je suis pas un depsou. Parce que le genre de... Le genre de rumeur que tu me fais courir sur moi, là, il faut arrêter ça. Voilà, quand un gars, tu y as moins un gars, va lui parler. Ah ouais, merci. Là, ça arrive, là. Je n'ai pas le temps.